Alors, je vais commencer par une petite intro sur la fraternité en général, pour ensuite parler de la fraternité en Christ et développer, c'est-à-dire puis comment bien vivre cette fraternité avec ses obstacles, et pour conclure ensuite. Alors, on affichera le texte qui va nous servir après l'intro sur la fraternité en général. Alors, c'est quoi la fraternité ? Dans une société telle que la nôtre, en quête de liens, le mot fraternité peut donner vraiment des aspirations sur le vivre ensemble. La question qui vient quand même en tête, c'est de quelle fraternité parle-t-on ? Celle de l'exigence de liens privilégiés qui s'établissent entre certaines personnes ? Est-ce une solidarité entre les personnes ou bien contre ces personnes ? C'est vaste. On la retrouve partout et il y a trois instances qui en parlent. C'est d'abord la famille, il y a la société et la religion. Alors ça englobe tout ça. Et on va voir que la fraternité va bien au-delà de faire une petite bouffe ensemble ou le partage d'idéaux ou de pensées. Alors, dans sa définition, étymologiquement, fraternité, ça veut dire, c'est fraternitas, relation entre frères et peuple. Et le mot fraternitas dérive lui-même du mot frater, qui veut dire frère. La fraternité implique la tolérance et le respect mutuel des différences contribuant à la paix. Fraternité, dans un sens plus restrictif, c'est partager un même idéal ou combattre pour une même cause. Et c'est ce qu'on appelle la fraternité d'armes, frère d'armes. La fraternité, c'est aussi l'une des trois composantes de la devise de la France républicaine. Vous la connaissez toutes. Liberté, égalité, fraternité. Elle peut aussi désigner le lien de parenté entre frères et sœurs d'une même famille, et c'est là qu'on parle frères de sang. Autre chose, vous avez remarqué que dans l'Église, religieux ou pas, nous sommes tous appelés frères et sœurs. Personnellement, au début, moi, je ne comprenais pas cet usage et je me disais, moi, je suis sœur de personne, puisque je suis fille unique. Je n'ai pas de sœur, je n'ai pas de frère. En plus, je suis deux parents qui, eux-mêmes, sont enfants uniques. Donc, ni oncle, ni tante. Et souvent, il m'est arrivé de dire « je n'ai pas de famille ». Ça interroge parce que ce que je veux dire, c'est que nous pouvons nous habituer comme ça au terme « fraternité »,« frère » et « sœur » et à être ainsi dénommés. Mais il est bon quand même d'en redécouvrir le sens dans son origine et dans sa profondeur. Alors, en m'appuyant sur le texte que l'on va voir, je vais vous parler de la dimension de la filiation adoptive par laquelle on se reconnaît enfant de Dieu, frère et sœur en Jésus-Christ. Et cette filiation-là va établir une relation nouvelle en Jésus-Christ. Alors, j'ai choisi de partir d'un texte dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 20 à 21. Je me suis arrêtée sur celui-ci parce qu'il va nous permettre de réfléchir sur les termes fraternité, frère et sœur et amour. Et on va voir que si les liens peuvent être certes forts dans une famille humaine, dans la solidarité, ils le sont davantage dans la famille de Dieu.
Alors, on va lire ensemble. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici donc le commandement que le Christ nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Parole du Seigneur. Alors je vais vous parler de la fraternité en Christ, car Jésus, dans ce texte, veut nous parler d'une fraternité qui est offerte par le Christ et qui est bien plus grande. D'ailleurs, Paul résume très bien cela dans Romains, chapitre 8, vers les versets 29-30, où il dit... c'est dans le sang de Jésus qu'est scellée notre fraternité définitive et véritable. Voilà le fondement de la fraternité chrétienne. Jésus n'a qu'un seul projet, nous faire devenir fils et filles du Père pour que nous devenions pleinement frères et sœurs. Et il va instaurer comme ça un nouveau type de fraternité qui va tout bousculer. Il va jusqu'à bousculer les hiérarchies sociales, car rappelez-vous dans Matthieu chapitre 12, quand on lui dit que sa mère et ses frères les cherchent, et où Jésus répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Ses frères et ses sœurs ne sont donc plus les gens de sa famille? Jésus ajoutera, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » La fraternité que Jésus révèle par l'Écriture a des exigences. Elle exige quoi? Elle exige la communion, le partage, mais surtout et aussi l'amour avec Dieu. La fraternité que Jésus veut faire naître ne sera donc pas une fraternité fondée sur des liens familiaux, ni sur de la généalogie. Il est venu nous apprendre que nous sommes ses frères et que nous avons un même Père, son Père, est devenu le nôtre. Alors, bon, ça sonne un peu paradoxal, car normalement, un fils unique n'a pas de frères et sœurs. Et je vais juste faire un petit témoignage là-dessus pour illustrer justement comment la confusion peut vous parasiter un esprit. Comme je vous l'ai dit, je suis fille unique, je proviens d'une famille très restreinte. J'ajoute que le père de mes enfants est lui aussi décédé. Donc en gros, fille unique, orpheline parce que mes parents ne sont plus de ce monde. Ni oncle, ni tante et veuve. Famille restreinte, donc. Et je me souviens qu'au moment du décès de mon père, il y a eu en moi une très grosse confusion par rapport à la famille et à mon identité. J'étais complètement perdue, et cela venait juste, en plus, juste après ma conversion. Je n'arrivais plus à prier, mais surtout, je n'arrivais plus à prier en appelant Dieu mon Père. J'avais le sentiment à la fois de trahir mon Père terrestre et aussi notre Père céleste. C'était très confus et je me suis retrouvée avec un gros problème, d'identité et de perte complète de repères. Cela s'est apaisé avec un accompagnement et aussi avec les prières faites ensemble avec les frères et sœurs en Christ. Je vous raconte cela parce que on peut se faire kidnapper par cette famille et cette fraternité terrestre, aussi petite soit-elle. Donc nous pouvons nous adresser à Dieu en l'appelant Père, comme le fait Jésus.
Nous sommes fondamentalement frères, non pas parce que nous avons tous été créés par Dieu, mais parce que nous avons tous été adoptés par lui. Nous sommes ses enfants. Grâce à Jésus qui s'est fait notre frère, à la fois dans l'incarnation quand il est venu parmi nous, et aussi par sa mort sur la croix. Grâce à Jésus qui s'est fait notre frère, à la fois, comme je vous l'ai dit, par l'incarnation, je vais vous parler maintenant de cette fraternité, comment bien la vivre. Eh bien, je vais vous dire, centrez-vous sur ce que vous partagez en commun et pas sur vos différences. Nous sommes frères à plusieurs titres parce que nous appartenons à la même humanité. On descend du même Adam, tous créés par le même Dieu. Mais aussi, nous sommes frères parce que nous sommes tous pécheurs. Et que nous contribuons au mal qui est entré en nous. Mais il n'y a pas que ça. Alors, on relit les versets. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère et qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Prétendre aimer Dieu quand on hait le prochain, eh bien, c'est vrai que quelque part, pour le Seigneur, ça ne va pas. Ça ne va pas. On ne peut pas prétendre aimer Dieu tout en détestant les hommes. Pourquoi ? Parce que cela veut dire que l'amour que nous portons à ce Dieu invisible, eh bien, cet amour pour Dieu ne pourra pas s'exprimer concrètement si nous ne portons pas de l'amour pour le frère qui est visible et que l'on voit. Donc, le frère que tu as en face de toi, dans lequel Dieu habite par son esprit, par son amour, c'est une manifestation visible de Dieu. C'est-à-dire, on va pouvoir contempler le Christ à travers chaque personne. Alors vous me direz, mais alors comment prouver que j'aime Dieu ? Eh bien, en aimant le frère ou la sœur qui est difficile à vivre, qui nous met dans l'embarras, qui nous raconte des mensonges. Verset 21, la suite. Le Christ nous dit que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Vous voyez ? L'amour du prochain est inséparable de l'amour de Dieu. Dieu lui-même nous a commandé, en tant que croyants, eh bien, d'aimer nos frères. Alors, rappelez-vous la dernière fois, quand la dernière prédication que j'ai faite, lorsque nous étions dans le thème du punchline, je vous avais parlé de œil pour œil, dent pour dent. Et j'avais dit que Dieu ne considère pas l'amour tel que nous le voyons dans le monde. Et qu'on arrive et qu'avant d'être un sentiment, l'amour est un acte. Et que c'était surtout savoir poser un geste de générosité envers nos prochains et aussi envers nos ennemis. Et dans cette injonction, aimer ne signifie pas éprouver un sentiment. L'amour des ennemis ne consiste pas à éprouver un sentiment de sympathie. C'est chercher à stopper la violence, la haine ou la vengeance. Alors, toujours, comment bien vivre cette fraternité en Christ ? Il y a donc partager ce qu'il y a en commun. Mais il y a aussi ne pas se concentrer sur nos différences. Les croyants qui s'entre-déchirent dans les églises, c'est une réalité. Et elle existait déjà bien au temps de Paul, il n'y a qu'à lire dans Corinthiens ou dans Galates.
Mais la parole nous dit « les différences et les statuts ne doivent plus compter ». Alors, je vous lis un verset à ce sujet. C'est dans Galates, Galates 3, verset 28. Il n'importe donc plus que l'on soit juif ou non juif, esclave ou libre, homme ou femme. En effet, vous êtes tous un dans la communion avec Jésus-Christ. Concentrons-nous sur les choses qui contribuent justement à l'harmonie. Dieu nous a fait tous différents. Et nous devrions apprécier et jouir de ces différences plutôt que de simplement les tolérer. Dieu veut l'unité et non l'uniformité. Et pour garder cette unité, on ne devrait jamais laisser des différences mineures nous diviser. L'idéal serait de rester centré sur les objectifs communs que Dieu a pour nous et pour nos églises. Alors je prends un exemple, mais c'est un peu comme les parents qui se séparent à un moment dans la vie parce que voilà, ils ont plein de choses qui les opposent. Mais ils essayent et vont garder en commun l'intérêt de l'enfant. Eh bien, c'est un peu ce que nous devons faire nous aussi avec Jésus. Alors toujours, comment bien vivre cette fraternité? Eh bien, soyons réalistes dans nos attentes. Parce que certes, on pourrait facilement se décourager en voyant le fossé entre l'idéal et la réalité qu'il y a dans nos églises. Mais malgré les imperfections, nous devons aimer notre Église et ne pas désirer ardemment l'idéal tout en critiquant la réalité. Ça serait comme de l'immaturité. Mais attention, Jésus ne veut pas non plus que l'on se contente de la réalité telle qu'elle est, sans vouloir s'efforcer d'aller vers un idéal. Parce que là, ça serait de la complaisance. Pas facile. Soyons patients, les uns envers les autres, indulgent, grâce à cet amour qui nous est donné. Les croyants vont nous décevoir à un moment donné ou à un autre. Et la liste est longue, hein. Conflit, hypocrisie, mesquinerie, négligence ou autres péchés. Rappelons que l'Église est composée de pécheurs dont nous faisons partie. Et que plutôt que d'être choqué, déçu, dépité, et qu'en agissant ainsi, eh bien, nous nous infligeons des blessures les uns aux autres, même sans le vouloir. Et au lieu de quitter l'Église et de choisir la fuite, nous devons rester et trouver une solution si possible. Alors, je dis ça parce que je déteste les conflits. Et il m'est arrivé plusieurs fois de fuir une situation plutôt que de l'affronter et d'essayer justement de trouver une solution. Et dans le conseil presbytéral dont je fais partie, il y a parfois des conflits. Eh bien, je peux dire que sans cette fraternité en Christ, je peux vous dire que j'aurais fui depuis longtemps. J'ai eu même plusieurs fois envie de partir. Et je dis merci. Merci à mes frères et sœurs du conseil presbytéral parce que, justement, ensemble et par la prière, eh bien,
nous arrivons à trouver des solutions face aux conflits auxquels nous sommes en permanence confrontés et face aussi aux oppositions qui assaillent le Conseil. Et à travers tout ce cheminement que je fais et que nous faisons, le Conseil, et qui nous amène à la réconciliation, eh bien, non seulement nous nous fortifions individuellement, mais aussi nous nous fortifions dans l'acquisition d'une communion bien plus solide. Alors, quels sont les obstacles du bien-vivre, la fraternité ? Parce qu'il y en a. Le premier, justement, serait que nous n'ayons pas cet attachement spirituel lié à Jésus et par conséquent à Dieu, et qui fait de nous un disciple qui souhaite lui ressembler et être conforme à la volonté de Dieu. L'unité et la cohésion doivent exister car elle est une volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui pourrait être un obstacle à cette unité que Dieu veut ? Eh bien, notre caractère qui voudra s'opposer à Dieu, l'individualisme, les groupes par affinité, les clans, ou encore le manque de temps. Tout ça sont les principaux liens, freins à la fraternité, pardon. Autre obstacle, le rejet de l'autre, ou encore l'ignorance de l'autre, le manque de charité. Alors, le mot « charité » a pris une connotation presque péjorative, mais faut-il toujours être charitable ? Il ne faut pas vouloir être charitable comme si c'était une sorte de devoir. Attention, il ne faudrait pas tomber dans ce piège. Mais il est important de désirer cultiver au fond de nous cette attitude-là. Et de garder en tête que ce qui s'oppose le plus à la charité, c'est le calcul. Exemple, donner sous condition, comptabiliser ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. La charité, l'amour, ça fait vraiment sortir du calcul. Et puis, cela donne une dimension tout à fait autre. La charité, c'est ce qui vient élever la qualité d'une relation et qui nous fait progresser dans la vie de foi. Autre obstacle, attention à tout ce qui tend au conservatisme, au puritanisme, à l'excès de spiritualité, car tous ces éléments mal maîtrisés peuvent être des obstacles à la construction d'une fraternité respectueuse, équilibrée des principes chrétiens. Alors, pour conclure, je vais insister sur deux mots du langage du Nouveau Testament qui nous rappellent eh bien, que nous ne sommes pas seuls. C'est dans la prière du Notre Père où l'on prie en apprenant à dire « nous ». Cela veut dire que l'on n'est pas un chrétien tout seul. Alors, Julien, dans une de ses dernières prédications, rappelez-vous, où il nous disait qu'il pensait, à un moment donné, dans son cheminement, pouvoir vivre sa foi en se passant de l'Église. Moi, je l'ai pensé, moi aussi. Hein. Eh bien non, on n'est pas chrétien tout seul, parce qu'on appartient à une fraternité. Ces deux mots, notre, nous, vont nous aider à construire des liens de fraternité
où on apprend à vivre la charité en s'accueillant comme des frères. Quand nous prions Dieu en disant « Notre Père », nous reconnaissons que toute communauté chrétienne est une fraternité. Et cette fraternité, dans la Bible, c'est un don de Dieu. Et je terminerai en disant, l'authenticité de ta relation avec Dieu se voit surtout avec ce que tu entretiens avec les autres. Car le chrétien est appelé à chercher cette marque divine au fond de toute personne. Alors prions. Merci Père pour nous avoir donné cette grâce d'avoir fait de nous tes enfants. Merci car tu nous as rassemblés par cette communion fraternelle qui nous offre une grande richesse. Merci car elle nous permet de ne pas évoluer seuls, à l'écart. Oui. La vie est parfois dure, difficile. Nous sommes tous voués au découragement. Alors merci parce que par cette communion fraternelle que tu nous donnes et que tu utilises, tu nous permets de grandir ensemble et de faire un avec toi. Apprends-nous par cette fraternité de te contempler à travers celui qui est en face de nous. Par cette fraternité que tu nous donnes, tu nous permets de voir ce qui est invisible à nos yeux. Et aussi par cet amour que tu nous donnes, eh bien, permets-nous à nous aussi de savoir aimer comme toi. Merci de nous donner ton Esprit Saint pour que nous sachions nous accueillir, nous écouter les uns les autres. Père, je décide aujourd'hui, nous décidons de ne plus rester seuls dans notre coin et nous voulons connaître et découvrir les bienfaits de la communion fraternelle. Amen.